Le chèque Boakary Fofana était au journal de 13h, l'invité du magazine du dimanche présenté par Evelyne Débat. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés au cours de l'entretien. Un accent tout particulier a été mis sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. Écoutons le président du Conseil supérieur des imams. Je pense que le problème de la réconciliation, comme tous les problèmes en Côte d'Ivoire en ce moment, est un problème d'éthique sociale. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup en matière de valeurs. Toutes les valeurs, qu'elles soient laïques, religieuses et même animistes, nous les avons perdues. Il y a un seul Dieu aujourd'hui qui pèse sur les Ivoiriens. Je pense que la religion peut jouer un rôle pour ramener les choses à sa juste proportion. L'argent, et rien que l'argent, est par tous les moyens. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des difficultés des Ivoiriens. Le problème ivoirien, fondamentalement, comme nous l'avons dit dans nos sermons aujourd'hui, il faut ramener au retour aux valeurs, valeurs républicaines pour ceux qui ne sont pas forcément religieux. Si les valeurs républicaines sont pratiquées en Côte d'Ivoire, et si le droit est pratiqué, et si les valeurs religieuses, si les religieux enseignent comme il se doit la morale, le rapport entre les individus, le respect de l'autre, l'humilité, si on enseigne la solidarité, si on enseigne le respect mutuel entre les hommes, je pense que beaucoup de problèmes seront résolus. Et surtout, si on mène un combat contre la corruption, beaucoup de problèmes seront résolus en Côte d'Ivoire. Il y a le problème politique. La politique, d'abord, a été mal comprise en Côte d'Ivoire. Elle a été pratiquée d'une certaine manière. Et je pense que les politiciens aussi ont besoin d'être formés et réformés. La politique, pour qu'elle soit à la dimension humaine, il faut aller vers la démocratie.